Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Félix. Bonsoir Sylvain. Il nous revient à nouveau le plaisir, l'honneur, je ne sais pas, mais certainement le plaisir. Le plaisir. Ouais, le plaisir partagé d'essayer de vous rendre heureux ce soir. On va essayer que ça soit comme hier, comme avant-hier, avec une... Qui est-ce qui me regarde là, juste à côté? Qui est-ce qui me regarde? Oh, mais qui est-ce qui me regarde? Mais c'est mon petit Finlande. Bon. Ma petite Finlande. Ma petite Finlande. Ma petite Finlande. C'est une femelle. Voilà, regardez comme elle est gentille. Elle est toute sage. Grâce au monsieur, peut-être. Grâce à Johan Henry, qu'on peut présenter tout de suite. Bah oui, qui a présenté. Qui est le président de l'asso Thais Mushing Club Stéphanais. Donc, c'est une association de chiens de traîneau, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. On reviendra à vous tout de suite. Et moi, je suis fasciné par Finlande. J'adore. Si seulement Finlande pouvait m'aider tous les soirs à présenter avec Félix la quotidienne, bah finalement, on serait trois. Ça serait sympa. Une bonne petite équipe. Ce soir, un très beau sommaire qu'on vous propose maintenant, Félix. Alors, on va parler de boxe thaï. Vous allez voir, avec quelqu'un que vous connaissez bien, Alix Landais notamment. Alix Landais, qui est chroniqueuse dans l'émission Parole de décideur, oui. Et qui va nous surprendre avec cette pratique sportive assez technique. Il y aura un marché de Noël aussi, un marché fermier. On va se télétransporter à Évreux. On rejoindra Stéphanie Jus qui était là-bas sur place. Et on parlera de la musique, un tremplin qui s'appelle les Inouïs, qui amène les jeunes talents régionaux au Printemps de Bourges. C'est la suite des découvertes du Printemps de Bourges. Exactement. Que nombreux d'entre vous ont connu sous une autre appellation, mais c'est un peu la même chose. On va vous expliquer que c'est reparti à nouveau pour qu'on se retrouve tous à Bourges en avril prochain. Des artisans, des artistes qui sont regroupés en association. La Fabrique de la Rille, vous allez voir, c'est très intéressant. Des meubles en carton, de la céramique, des meubles en métal, ça fait beaucoup de choses. Très très beau programme que toute l'équipe et vous-même, Félix, avez préparé. Là encore, pour faire plaisir à tous les téléspectateurs de LCN. Eh bien, on commence tout de suite pour aller dans le vif du sujet. J'ai hâte qu'on retrouve Finlande, mais ça sera un petit peu après. Pour l'instant, donc, Félix, on va retrouver notre comparse Stéphanie Jus. On va la retrouver dans l'heure à Évreux, pour être précis, puisque à partir d'aujourd'hui s'ouvre le marché fermier de Noël à Évreux. C'est une très belle manifestation. Elle est assez incontournable pour y trouver des produits du terroir, des produits locaux. Ça sera jusqu'au 15 décembre. Tout à fait, jusqu'au 15 décembre. De 10h à 18h30. Voilà, 10h, y compris le week-end, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller à Évreux. Et pour l'instant, on va retrouver sur place Stéphanie Jus, qui a également rencontré Jean-Louis Destang, qui est le président du Conseil Général de l'Eure. À vous, Stéphanie. Le marché fermier de Noël d'Évreux fête ses 25 ans cette année. Alors Jean-Louis Destang, bonjour. Bonjour. C'est une fierté pour vous d'exposer ici tous ces producteurs eurois au sein même du Conseil Général de l'Eure? C'est une fierté et surtout une reconnaissance pour le travail qui est réalisé dans ce département. Depuis 9 ans maintenant, les producteurs viennent vendre leurs produits dans ce lieu, qui est le lieu de toutes les Euroises et tous les Eurois. Je crois qu'ils trouvent là une vitrine importante pour eux. L'ouverture de l'agriculture au grand public de plus en plus importante, avec des opérations d'ouverture des exploitations. La multiplication des produits issus de la ferme, autres que les produits traditionnels, le blé et les productions, avec des valorisations agricoles qui sont importantes, des expériences d'agriculture raisonnée, d'agriculture biologique, de circuits courts qui sont développés dans le département. Tout ceci mérite à la fois d'être souligné, de remercier les producteurs et puis de les mettre en valeur dans cette maison départementale. Et oui, c'est très bien mis en valeur. Il y a à peu près 23 producteurs locaux, c'est ça, et des artisans. Oui, avec des produits très différents. Ici, ce sont des légumes. Là, il y a des pâtés, il y a des boissons, il y a un petit peu d'artisanat. Bref, la palette nécessaire à passer des bonnes fêtes de Noël. Merci à vous. Je vous en prie. Je suis maintenant en compagnie de Maria de la ferme du Vieux Pressoir. Maria, quelle est votre production? Production de foie gras, du canard gras, du magret fumé, tout ce qui sort du canard, on fabrique tout, du cou farci, du boudin blanc. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, que vous venez à ce marché? Oh, ça fait pas mal d'années, bien hein. Une dizaine d'années. Hein. Mais ça fait au moins une quinzaine qu'on fait ça. C'est notre travail, c'est extraordinaire de servir le client, quoi.
C'est ce que je veux. Voilà, c'est ce qu'on veut en fait. Où est-ce qu'on peut venir vous voir et déguster vos produits ? Saint-Éloi de Fourques. La ferme du Vieux-Pressoir à Saint-Éloi de Fourques, à côté de Brionne. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir donné envie d'aller à Évreux. Rappelons aussi d'ailleurs que le centre-ville d'Évreux est un très joli petit centre-ville à visiter et qui vaut le déplacement. Alors, on va en venir à nos deux amis Félix. Alors Sylvain, est-ce que vous imaginiez qu'on pouvait faire du chien de traîneau en Normandie sans neige ? Alors, du chien de traîneau en Normandie sans neige, non, mais enfin, si vous me posez la question, c'est certainement qu'il y a quelque chose de effectivement, possible. Effectivement, et notamment ce week-end, le championnat national sera organisé à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le président de l'association est ici, bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous déjà comment on peut pratiquer cette discipline sans neige. Alors, on pratique cette discipline sans neige à partir de, pour les petits attelages, de vélo ou de trottinette. À partir de trois chiens, on peut utiliser ce qu'on appelle un kart sur des engins à trois roues ou à quatre roues. On monte dessus et les chiens tirent cet engin. Ça se manipule de la même manière que sur la neige ou ça change non, un petit pas peu du la, tout, la maîtrise ? Pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. Là, vous êtes sur des roues, sur le traîneau, bien évidemment, vous êtes sur de la glisse, donc strictement rien à voir. Il y a beaucoup de Hauts-Normands qui se passionnent pour cette discipline. À l'heure, nous avons une dizaine de Hauts-Normands, oui, tout à fait, qui seront présents ce week-end à Saint-Étienne-du-Rouvray au championnat national, oui. Donc c'est quelque chose que vous organisez tous les ans. Tout à fait, oui. Mais là, c'est vraiment exceptionnel, c'est que la fédération, si j'ai bien compris, vous a confié la responsabilité d'organiser le championnat national. Tout à fait. Cette année, nous organisons le championnat national sous l'égide de la Fédération française de Poulka et Traîneau à Chien. D'accord, donc on pourra avoir une centaine d'attelages. Oh, plus que ça, il y en a, à ce jour, il y a 130 attelages d'inscrits. Soit 500 chiens. Ah, oui, c'est tout à fait. D'accord, alors quelles sont les races de chiens représentées sur cette discipline ? Alors, dans notre fédération, nous avons quatre races de chiens nordiques, le Siberian Husky, comme Finlande, le Groenlandais, le Malamute et le Samoyède. Et ils ont chacun des qualités différentes. Tout à fait. Chacun a plus ou moins sa discipline dans le chien de traîneau. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Alors quelles sont les variantes sur ces disciplines ? Il y a du sprint, du fond entre guillemets ? Tout à fait. Donc il y a plusieurs types de courses. Nous avons les courses de sprint, les courses de moyenne distance et longue distance. Longue distance type la Grande Odyssée. Donc certaines races sont plus adaptées à ce genre de choses, comme le husky. Le husky est un des plus rapides, donc il s'adapte très bien au sprint. Et pour l'endurance, la randonnée, je dirais, nous avons plutôt le samoyède. Et vous, votre spécialité ? Moi, j'ai plutôt moyenne et longue distance. Donc combien de kilomètres ? On fait des étapes de minimum 35-40 km avec un attelage de 6 chiens. Sylvain, vous êtes passionné par Finlande et ses yeux verront. Oui, vous avez tout à fait raison, Félix. Je suis même plus que passionné. Je suis absolument fasciné. Je suis fasciné. J'essaie de me déplacer pour qu'on continue à m'entendre. Je suis fasciné parce qu'on a fait. Alors, vous savez, j'ai fait attention. Toi, je t'ai rencontré avant qu'on aille sur le plateau. Je t'ai vu tout à l'heure dans le salon d'attente et je me suis dit, on va faire ami-ami. Comme ça, j'aurai pas d'embêtement pendant l'émission sur le plateau. Tu seras très, très gentil avec nous. Et voyez, en fait, ça marche. Voilà, on est très copains. Elle est gentille, hein ? Elle est tout à fait. Tout à fait. De la chance, où elle est très bien élevée. Vous en avez combien des chiens comme ça ? Alors nous avons un chenil de 19 chiens. Quand même. 19 chiens avec des jeunes qu'on prépare pour les saisons à venir. Et puis malheureusement des plus vieux chiens qu'on ne peut plus mettre dans l'attelage de compétition, mais des fois qu'on entraîne encore. Comment vous entraînez justement ? Alors vous êtes ce qu'on appelle un musher, c'est le conducteur, le pilote. Tout à fait, conducteur d'attelage, oui. Alors moi j'entraîne avec un quad parce que j'entraîne 10 à 12 chiens. Donc avec un kart, ce qu'on appelle un kart, ça serait trop dangereux, aucune maîtrise. Donc on a un quad et là, à partir de là, on peut parfaitement maîtriser l'attelage de 10 et 12 chiens. D'accord. Et quel est l'impact du musher sur la réussite d'une course et l'impact des chiens ? L'impact du musher est très important puisque le chien ressent vraiment ce que le musher ressent. Et s'il y a du stress, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a une osmose qui doit se faire entre le chien et le musher systématiquement pour avoir de la réussite. Bon, pour réussir après dans les classements, bien évidemment, c'est l'entraînement, c'est une certaine discipline. Est-ce que vous avez vos chances pour ce championnat ? Disons qu'on espère... Vous êtes à domicile déjà. Oui, on connaît bien le parcours. On connaît bien le parcours et on espère faire quelque chose quand même. Oui, bien évidemment, surtout quand on organise. Vous avez quelques
quelques faits d'armes récents, vous avez fait des bons classements. Oui, l'année dernière, on a participé à des championnats de France où on a fini malheureusement pas loin du podium. Autrement, oui, on est toujours classé dans la première partie de classement à chaque fois. Très bien. Est-ce qu'on fait un petit tour en Seine-Maritime ? Non, on ne fait pas un petit tour en Seine-Maritime tout à l'heure, Félix. Hein, d'accord. Tout à l'heure. Simplement, alors moi, je voudrais essayer de faire ce que je fais de temps en temps. Je vais essayer avec Finlande. Alors, Finlande, regarde, Finlande. Il faut que tu tournes par là. Ah, je vais me mettre ici. Donc, Finlande, on va essayer tous les deux de lancer la pub. Tu veux bien ? Alors, regarde, tu vois, regarde, il y a une caméra là-bas. Il y a une caméra là-bas. Donc, tu vas dire « ouf, ouf, publicité hein ». Tu dis « ouf, ouf, publicité ». Et après, on va retrouver Félix pour les infos. Et tu dis « ouf, ouf, les infos ». Je suis sûr que ça t'a... Eh bien, alors, on va faire comme si c'était parti. La pub, et puis juste après, l'info, l'actu du jour.